Andy serait parti de la chambre où dormait la petite maman. Une bougie qu'on a oublié d'éteindre. Oui, par la grève des deux enfants qui étaient à l'intérieur de la chambre. Leur maman était sortie de marchander quelques trucs à la boutique. Au retour, il a trouvé que la chambre s'est enflammée. Et on a tenté d'éteindre, ça n'a pas pu aller parce qu'il y avait des matelas et consorts. Mais on a sorti le maximum qui était réveillé, qui était prêt à prendre. On a pris, on a réveillé, on a fait sortir quoi. Mais l'irrécupérable s'est passé. Oui, c'est ça quoi. Mais on a tout tenté. Il y avait une fille à l'intérieur qui était en dormition avec son petit frère aîné. Mais son frère aîné, c'est lui qui est le premier à se réveiller pour ôter la porte, crier. Et les femmes aussi ont recrié. On a pris que y a des hurlements d'or. Comme il y a quoi. Ça a fait 5 minutes au moment où j'ai fermé ma porte. On aimait sauver tout le monde. Mais ça ne nous a pas laissé faire. Ces deux matelas, bousillés, deux enfants de 5 ans, 6 ans, 7 ans, la porte fermée.